La journée mondiale du don de sang permet de remercier les donneurs volontaires, bénévoles, pour le geste salvateur qu'ils font en donnant leur sang et de sensibiliser l'opinion à la nécessité du don de sang régulier pour assurer la qualité, la sécurité et la disponibilité du sang et des produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Au centre interdépartemental de transfusion sanguine de Pointe-Noire-Cuilou, quelques donneurs bénévoles ont fait le don à l'exemple des donneurs volontaires de la Croix-Rouge du département du Cuilou. Love Frecia Senda, superviseur technique et responsable des collectes mobiles de sang, et Pascal Luemba Nyambi, président de la Fondation Germaine Makuela Luemba, sur le sens de cette journée. Pour avoir du sang sécurisé, il faut commencer par un donneur bénévole. Les donneurs bénévoles, c'est eux qui nous emmènent du sang sécurisé. Pourquoi? Parce qu'ils donnent bénévolement, ils donnent volontairement et ils donnent à tout moment. Ça veut dire qu'ils sont réguliers. Donc nous avons le temps de sécuriser leur sang parce que tous les trois mois, ils viennent donner. Avant de faire les analyses, nous commençons toujours par les dons réguliers. On ne compte pas souvent sur les dons familiaux parce que les dons familiaux, souvent, c'est des gens qui viennent rembourser avec une pression parce qu'ils viennent rembourser pour leurs parents. Donc les donneurs bénévoles, lui, il vient donner bénévolement parce qu'il veut sauver des vies. Et c'est pourquoi chaque année, il montait l'honneur pour célébrer cette journée. Entre février 2018 et septembre 2018, il n'y avait aucune rupture dans tout le Congo, grâce à notre travail et notre partenaire, le CNTS. Mais entre-temps, pour marquer une petite pause, il y a eu des soucis, parce que le CNTS a eu une grève qui a duré 4 mois. Et pendant les 4 mois, c'était très difficile, mais très difficile pour nos malades, parce que la banque de sang était quasiment fermée. Vous connaissez la situation des grèves. Mais depuis le 17 avril, la grève a été levée et nous sommes encore en train de relever le défi. Concernant la rupture du sang dans les hôpitaux, le responsable des collectes de sang mobile a dit ce qui suit. Pointe-Noire a besoin de 150 poches qualifiées par jour. 150 poches, je dis bien. Donc pour satisfaire nos besoins, il nous faut 150 poches chaque jour. Donc nous, généralement, on prélève entre 80 et 85. Vous comprenez que 80-85 avec 150, ça ne tient pas toujours. Le troisième problème, c'est que c'est au niveau des malades. Souvent, quand ils prennent le sang, puisque le sang, on le trouve chez les humains. Donc, logiquement, pour qu'il y ait un stock garanti, il faut que les malades, qu'on demande de venir faire le don bénévole, doivent faire le don bénévole. Malheureusement, par rapport à nos fichiers, les donneurs bénévoles sont insuffisants. Ils sont autour de 800, alors qu'ils donnent tous les 3 mois. Si vous prenez 800 divisé par 3 mois, vous allez voir combien de personnes viennent donner chaque jour. Et donc, je ne peux pas garantir ça, mais pour l'heure, on a le sang et à leur disposition. Il y a des réactifs, il y a les poches non traitées, il y en a plein. Cette journée mondiale du don de sang rend hommage à tous ceux qui ont permis directement de sauver ou d'améliorer la vie des milliers de personnes.